Aujourd'hui les amis, dans ce runner, on va tenter d'obtenir les meilleures armes possibles. Et pour cela, on va utiliser une technique vraiment spéciale, l'attaque toupie. Et si j'ai bien compris, le principe du jeu, ces petits pistolets vont tirer à tour de rôle. Mais le problème, c'est qu'au niveau 1, notre toupie devrait être extrêmement lente. Donc va falloir gagner un maximum d'argent pour augmenter cette vitesse. Et deuxième problème, c'est que pour l'instant, on a les guns les plus nuls du jeu. Mais ça ne fait aucun doute que pour ce premier niveau, on va normalement passer dans des portails qui nous permettront d'avoir les niveaux suivants de pistolets. Pourquoi pas avoir les miniguns? Ouais, bon, cela devrait être un petit peu plus compliqué à aller chercher. Donc bah écoutez les amis, c'est parti pour tester ce jeu là et effectivement notre toupie n'est pour l'instant pas très puissante. En tout cas c'est ultra satisfaisant de tirer comme ça et on a la possibilité maintenant d'augmenter notre cadence de plus 29. Et là les amis, ça tourne un petit peu plus vite. Attendez, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir, hop là, notre premier upgrade? Alors ça permet d'avoir un petit Glock comme ça. Oh, c'est pas la meilleure arme. J'ai l'impression que le Desert Eagle qu'on a déjà, si c'est bien un Desert Eagle, est censé être meilleur que le Glock. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment des guns? Oh, tellement stylé. On est passé donc à ces Glocks comme ça. Mais moi, j'aurais placé le minigun en deuxième, mais bon, c'est pas grave. Enfin, le Deagle, pardon. Ça rime, mais c'est pas la même chose. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut maintenant avoir une arme niveau 3? Parfait, on l'a eu. Donc là, il semblerait qu'on en ait une avec un petit laser. C'est parfait. Est-ce qu'on va réussir à en avoir une deuxième? Waouh! On va pouvoir commencer à prendre un maximum d'argent. Je vais essayer de prendre les 3 premiers comme ça, les 3 suivants, et après je reste au milieu. Oh, c'est passé. Parfait. Bon, là, je pense qu'on s'est mis plutôt bien. Nous, on a la possibilité d'augmenter nos revenus. Mais attendez, je vais pas le faire maintenant. Moi, tout ce que je veux, c'est commencer à augmenter la puissance de mes guns. Alors, évidemment, il faudra augmenter tous les guns un par un, et ça coûte déjà 60$ pour cela. Mais moi, j'ai bien envie de commencer à augmenter la cadence. Et là, les amis, ça devrait nous permettre d'aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Quoique, il nous faudrait peut-être ce Glock pour pouvoir. Oh, j'arriverai même pas à passer. Ah, si, c'est bon, j'ai réussi à passer au dernier moment. Alors ça, du coup, ça sert à quoi exactement? Boum, ça permet d'aller directement. Ah, c'est le extra bullet. Ok. En tout cas, nous, on va réussir à avoir que des niveaux améliorés pour nos armes. Ça, c'est parfait. On a plus de deagle et on va donc directement taper celle de gauche. On va peut-être avoir la possibilité de la casser entièrement. Non, absolument pas. On est vraiment pas puissant pour l'instant. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller chercher un niveau 3? Non plus. Par contre, un double shot, les amis, ça peut nous mettre extrêmement bien. Au niveau de la portée, bon, j'ai l'impression que toutes les armes, on n'a pas la possibilité d'augmenter la portée. Et ça y est, on a eu un Tech 9, les amis, qu'on va pouvoir tester immédiatement. C'est un niveau 4 et on a eu l'extra belette. C'est parti. Ah oui, c'est ça. En fait, on l'a eu tout à l'heure, je crois. Boum! Plein de cadence pour pouvoir terminer ça. Bon, on va se concentrer sur un côté. Quoique. Hop. Allez, c'est bon. Là, maintenant, on se concentre sur un côté. On prend un maximum d'argent. On tire tellement de balles maintenant. Allez, encore un coup. Dommage. Ah non, j'avais pas fait gaffe. On peut augmenter la portée entre les niveaux comme ça. Mais là, maintenant, il faut augmenter les revenus. Ce qui veut dire que là, prochain niveau, on va se faire un maximum d'argent. Et nous, on va augmenter notre nombre de balles. Waouh. Et là, on a la possibilité d'avoir directement le double gun. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que du coup, on va en avoir 8? Ok, ça y est. Les choses commencent officiellement maintenant. La vidéo, les amis, hop là, va pouvoir prendre une autre tournure. Enfin, pour l'instant, il va falloir des armes bien meilleures que ça, parce que bien évidemment, on devrait avoir des mitraillettes par la suite. On augmente la portée un petit peu, et on va essayer d'avoir une cadence améliorée, parce que pour l'instant, c'est pas ça, quoique plus 17, c'est pas trop mal. Allez, on y va. Il nous faut le niveau 3, absolument, parfait. Et là, avec un peu de chance, on devrait réussir à terminer cette balle. Non, absolument pas. On a même pas fait la moitié. Allez, c'est parti. Bon, au moins, on a eu extra belette, donc franchement, ça permet de tirer tellement de balles, avec 8 guns en plus. Hop là, le niveau 4 qui a réussi à passer au dernier moment. On va essayer de faire pareil ici, mais ça va être un peu limite. Et les amis, on va être extrêmement bien pour la fin, là. Boum, on prend ça. Oh, regardez-moi ces améliorations. Fini les deagles. Oh là, le problème, c'est qu'en fait, j'ai gardé les deagles pendant toute la partie. Allez, c'est pas grave. On va pouvoir faire pas mal de dégâts. Et hop là. Ok. Et j'ai encore augmenté mes revenus pour le niveau précédent. Je l'ai fait 2 fois de suite. Je vous ai pas montré le niveau 3. Ce qui fait que là, normalement, les amis, on va gagner tellement de thunes. Boum, on va passer à plus de 300 d'argent. Let's go. Bon, bah là, il faut absolument que j'arrête d'améliorer les revenus. Et maintenant, il faut qu'on se concentre sur nos guns. On prend les 4 Glocks pour commencer. Et on peut pas faire mieux pour l'instant. Oh, alors, attendez, est-ce qu'il vaut mieux passer à droite, qui est déjà au niveau 3, ou plutôt à gauche, où on a un ralentisseur qui devrait nous permettre d'aller peut-être chercher le niveau suivant? Ok. Je crois que ça revenait au même. Je sais pas si j'aurais eu le temps en passant à droite. Bref, c'est pas grave. On va augmenter un petit coup là à cadence, à plus 20. Et les amis, on a la possibilité de prendre directement une arme niveau 6. Ok, alors on va pas s'embêter à tirer dessus. Hop. On se concentre sur le suivant qu'on va réussir à faire passer normalement au niveau 3. Et les amis, on va pouvoir enfin avoir notre première mitraillette. Alors, on a un coffre à casser. Je crois que je l'aurai jamais. Quoique, peut-être qu'avec la mitraillette, ça peut le faire. Oh, jamais de la vie. What? Allez, on va chercher la prochaine arme. Je tape pas. Oh non, j'aurais dû le faire. Oh, c'est pas grave. Il me reste encore un peu. J'ai peut-être la possibilité d'aller casser ici pour l'avoir. Il me la faut. Hop. Normalement, ça devrait passer là. Oh, aïe. Hop. Non, moins de 10. Moins 4. Bon, c'est pas grave. Allez, on a les nouvelles armes. Et on a donc l'extra belette qui nous permet de one-shot maintenant. Ah, pas les 10, malheureusement. Ah, on fait 9 de dégâts. Ça dépend de l'arme, mais hop là. Allez, reste à droite.
Je vais pas battre mon record, dommage. Bon, il est temps d'augmenter la vitesse, je vais le faire deux fois, on va pouvoir tourner bien plus vite, et là, l'extra belette va pouvoir arriver de manière très très rapide. Alors, on va prendre ça, oula oula, moins 1. Ok, ça va, je l'ai pas trop... Double, triple shot. Alors comment ça se passe là? Parce que je prends le double, ok. Ah, au moins ça va nous permettre pour sûr de casser ça. Bon, ça aurait été un peu limite sinon. Triple shot, est-ce que ça vient s'ajouter au double? Absolument pas. Mais par contre maintenant on a un triple shot les amis. Et là c'est extrêmement puissant. Mais ce qui serait extrêmement puissant c'est d'avoir des armes bien meilleures. Parce que pour l'instant je suis encore avec mes petits pistolets. Allez là il y a peut-être moyen d'aller chercher des bons niveaux. On a deux Tech 9, deux Glock. Allez go, tac. Oula, on commence à one-shot des niveaux. Et ça y est, on découvre enfin cette arme là qu'on n'avait pas vue depuis le début. Boum, allez allez, parfait, on va en avoir deux. On devrait même peut-être en avoir une troisième. Allez, encore un coup. Parfait. Bon, voilà, c'est cool. Normalement, on devrait battre notre record. Alors, je sais pas ce que c'est cette nouvelle arme qu'on a débloquée. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle vient dans l'équipe et elle vient remplacer mes pistolets de noob. Oh là là, les dégâts de fou. Ok, là, ça commence à être sérieux. Bon, là, mon but, c'est quand même de prendre un maximum d'argent. Donc, hop là. Je me concentre pas sur un côté, même si là, je vais être obligé. Sinon, on meurt. Et allez, encore un coup, s'il vous plaît. Merci. On est blindé. Alors là, j'espère que ça va passer. On a donc la barre d'une balle en plus qui va peut-être passer automatiquement maintenant à 2. Donc, c'est-à-dire qu'on commence les niveaux avec directement 2 balles. Et ça va être plutôt pratique. Surtout qu'on va peut-être avoir la possibilité d'en avoir une en plus après. Bref, les amis, on a donc directement le double shot. Mais pourquoi pas en plus le double gun derrière. Enfin, c'est même pas pourquoi pas. C'est sûr à 100%. Regardez-moi ça. Le double gun. Donc là, on passe maintenant à 8 guns. On devrait largement retourner ce truc-là. Oh! Je crois que là, on devrait battre notre corps. Et on a même la possibilité de détruire cette balle. Et après, derrière, il y en a une nouvelle qui arrive. Donc là, c'est bon, on a eu des balles en plus. On tire. Oh wow, on a découvert tellement de nouvelles armes. Oh là là, les niveaux s'enchaînent. Boum, boum, boum. Et on a eu celle-là. Donc là, on a des MP5, je pense. Je crois que c'est ça. Et on a la possibilité d'aller en chercher d'autres. Peut-être là, un nouveau record d'armes. Attention. Niveau 8, niveau 9. Niveau 9, on l'a eu. Hein. Je crois que c'est le Thompson qu'on a vu là avec... Le, je sais plus comment ça s'appelle, mais le compartiment de munitions qui est en rond comme ça. Bref, là, les amis, on y va pour battre un record. Oh là là. Oh, les dégâts. C'est vrai que ça manque un peu de portée. Dommage. Il y a pas mal de balles qui se perdent. Ok, donc on va augmenter un petit peu la portée après. Ça va être important. Tac. Et allez, maintenant, il va falloir que je me concentre sur un côté si je veux battre un record. Allez, je reste à droite. Voilà, comme ça. Parfait. On se concentre que sur eux. Oh, on va chercher les miniguns. C'est parti. 100. Waouh, on a cassé un truc à combien il y avait? C'était 300. On a cassé un truc à 300. Bon, bah là, faut mettre. Oh, mais j'ai pas envie. J'ai envie de garder un peu mon argent. Bon, ça va. Tant que ça coûte pas cher, on achète un petit peu de portée. Et alors là, bon, bah, il faut que j'augmente mes guns. Hein, parce que c'est vraiment des guns de noob au début. Donc, me voici maintenant. Niveau 19, j'ai enchaîné pas mal de niveaux. Et je pense en avoir trouvé un qui peut être très très intéressant. Puisqu'on commence directement avec un double gun. Parce qu'il y avait pas mal de niveaux. Enfin, j'ai fait une dizaine de niveaux sans qu'il y ait le double gun au début. Ni même le double shot. Et là, les amis, ça nous permet de commencer vraiment. Pas trop mal, regardez, on va pouvoir directement augmenter la portée. Alors, heureusement qu'on tire plein de boulettes parce que ça faisait que 1 plus 1. Et là, par contre, la cadence va monter tellement haut. Oh, notre toupie, waouh, est extrêmement rapide. Et on va pouvoir aller chercher une nouvelle arme. Allez, niveau 10, niveau 10, on l'a eu. Qu'est-ce que c'est? C'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est sur Counter-Strike aussi. Oh, on va même avoir, hop là, encore des balles supplémentaires, je pense. Oh là là, on détruit complètement les balles maintenant. Et, allez, maintenant, il faut se concentrer là-dessus. Tac, 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 allez, allez, une nouvelle arme du coup. Ok, on a encore eu celle-là. Malheureusement, on les aura qu'à la fin, donc ça nous permettra pas de faire tout le niveau avec celle-là. Par contre, attendez, on va même en réussir à en avoir une quatrième, peut-être. Non. Et hop, on a réussi à en avoir 3. Hein. Pas mal du tout. Allez, on augmente la... Oh, alors là, je pense qu'on n'a jamais été aussi rapide. Oh là là. Ah oui, ça tire de partout, là. Bon, ben, au moins, c'est un niveau où on va pouvoir normalement se mettre très très bien en termes d'argent. Je vais juste essayer de tout ramasser. Hop là, ça devrait le faire. Ma portée est pas trop mal, je perds pas de balles. J'ai dû en perdre, mais là, ça va, là, ça touche absolument tout, de toute façon. L'échéance est en train de se rapprocher, notre corps est bel et bien battu. Par contre là, on va évidemment essayer d'aller un peu plus loin. Le 650 peut-être. Encore un coup et on l'avait. Bon oui, j'ai encore une fois enchaîné les niveaux. Me voici maintenant, niveau 34. Il faut quand même pas mal de niveaux pour progresser dans ce jeu. J'ai même pas eu de nouvelles armes. Par contre là, on commence directement avec double gun. Donc autant vous dire que c'est peut-être encore une fois un super niveau. Alors on va essayer de le maximiser avec un petit peu de portée. Ok. Oh, j'aurais dû me concentrer peut-être sur la cadence. Quoique, regardez, on va pouvoir le faire monter à plus de 125. Ok, là ça tourne. Là ça tourne pas mal. On tire maintenant donc 4 balles par pistolet. Et là on va pouvoir récolter. Oh, on va pouvoir avoir des armes supplémentaires, des balles supplémentaires. Là ça va être ouf. On va pouvoir tirer à mon avis. Oh là, tellement de balles. Oh, ok, nouveau record en vue. Nouveau record en vue. Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle arme? Ça serait pas mal. Ah, j'aurais dû me concentrer à gauche. Pareil là pour avoir une nouvelle arme. Tant pis.
Tant pis, on va essayer, mais on l'aura pas. On a quand même des super pistolets, hein, plutôt pas mal, et on va pouvoir augmenter, oh là là, la cadence à plus de 300. Ok, là c'est bon. Nouveau record obligatoire. Là c'est bon à 100%. Ah, quoique j'ai pas le triple shot, hein. Ni même le double shot au final. J'ai le double arme, mais pas le triple shot qui m'est tellement bien. Bon, on va essayer de se concentrer sur le milieu. J'ai bien envie de tenter de battre un record, sachant que là j'ai quand même pas mal repoussé les panneaux. Ah ouais, on n'a pas de nouveau record, je pense pas. Mais bon, on était pas mal. On va essayer d'aller taper le 1000. Ça va être compliqué, on l'aura pas. Bon, ici on va voir ce que ça donne. On a la possibilité, alors déjà, d'avoir les 5 armes améliorées comme ça, les 4 pardon, et d'avoir le double shot directement ici et le double gun juste derrière. Il va juste nous manquer le triple shot, mais on va pas s'en plaindre, les amis. Et on va tenter de battre un record. Il est temps pour nous de débloquer déjà de nouvelles armes, ça serait pas mal. Par contre, il y a intérêt qu'ils nous donnent les armes assez rapidement. Ah non, je crois qu'ils vont les donner à la fin. Par contre, regardez, on tire énormément de balles. On a réussi. Ah, j'ai failli avoir le deuxième fusil à pompe, quel dommage. Je vais essayer de l'avoir ici ou juste après. Oh là, il bouge vite celui-là, il bouge vite. Oh là, complètement explosé. Alors je vais me concentrer à gauche, du coup là, j'ai bien envie de découvrir une nouvelle arme. Oh là là. Ok, je vais quand même prendre là, c'est bon, on va l'avoir. Donc, premier fusil à pompe, deuxième fusil à pompe et troisième. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou là? Alors là, à mon avis, on va faire beaucoup de dégâts. Ok, là, 100%, c'est un nouveau record. Bon, j'arrive facilement à détruire tout ce qu'il y avait avant les 500 et là, ça y est, ça commence à plus one shot du tout là. Là, ça commence à être galère. Donc, on va se concentrer maintenant seulement à droite comme ça. Là, on perd quelques balles encore. Ok, c'est pas mal. Nouveau record. Nouveau record. Est-ce qu'on va réussir à avoir le 2000? Évidemment que oui. Le deuxième 2000, c'est que des 2000 maintenant. Boum, 3000, ok. Oh, dommage. Alors là, on a moyen de faire passer la cadence de tir à un nombre extrêmement grand. Peut-être le record pour aujourd'hui, 450 de cadence, ça tire dans tous les sens. Et pour terminer, on va pouvoir augmenter un petit peu la portée, beaucoup même. Et là, les amis, on va tenter, pourquoi pas, de battre notre record. Il y a peut-être moyen d'aller chercher. J'ai pas l'impression d'avoir les meilleures armes quand même, mais... Avec la portée qu'on a, ça nous permet d'aller tellement loin. Bon, là, c'est parfait. Hein. Bref, en tout cas, nous, les amis, qu'importe si on arrive à avoir les miniguns, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait 63 niveaux en 2 heures sur Weapon Spin. C'était plutôt satisfaisant comme jeu. Et j'aurais peut-être dû me concentrer sur un côté depuis bien avant. Mais de toute façon, ça allait pas passer. Il faut tellement plus de puissance. Allez, ciao tout le monde, c'était Red Kill. Bye!